Ses enfants dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous allons prier et remercier le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu vivant, nous te glorifions. Nous te bénissons tout ce jour de baptême. Seigneur, Elle devient le sang.
Que toutes les âmes qui sont proches, aient directement leur nom écrit dans le livre. Seigneur Jésus, remplis le temple sans remplis le temple de son afin que Seigneur Jésus, ô ciel, ait leur nom écrit dans le livre. Leur nom soit écrit dans le livre. Au nom de Jésus, en prie. Amen. Nous avons promis que de tout, je serai avec le pasteur et l'évangéliste par le temps. Et vous allez. Jésus. Alléluia. Donc, vous allez prendre, amener le premier. Okay. Les deux. Non. Oui. Voilà. Amenez les deux premiers. Ah, Jésus, le bien-aimé dit qu'il sent une joie, une grande joie en lui, en ce jour de son baptême. Donc, tu veux vraiment que vous sentez l'engagement de Paul concernant puissamment être baptisé après ce Jésus. Nous allons prier. Qu'est-ce que tu fais? Nous allons te demander au Seigneur d'accomplir le vœu de ce Seigneur. Seigneur Jésus, il demande, Seigneur Jésus, qu'après ce moment de baptême, Seigneur Jésus, que tu puisses l'utiliser puissamment, que tu puisses l'utiliser puissamment, Seigneur Jésus, comme un vaillant soldat, un puissant serviteur de Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que tu as accompli ce 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 que tu as accompli tous les dons qu'il a mis et de les remplir de savoir. Alors, on prête puissamment que son esprit s'y donne. J'ai tous les dons qu'il a mis. Soit, Donc vraiment, aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Un jour où vous dites au revoir au monde. Un jour où vous voulez mourir et ressusciter avec Christ. Gloire à Jésus. Donc là, c'est un jour pour vous, soyez très merveilleux. Très merveilleux. Je sais qu'il y a beaucoup de Paul. Gloire à Jésus. Paul. Paul aussi. Jésus.
dans la perversité, il était dans, il a signé des années dans le satanisme, dans le magie, dans la magie, dans l'occultisme. Aujourd'hui, après beaucoup d'années dans le passé, dans l'occultisme, aujourd'hui, il veut s'engager en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a donné le nom de Paul pour lui. Et donc, je sais qu'il a beaucoup de Paul. Beaucoup de Paul existent, mais le Seigneur est celui qui porte le nom de Paul. Alléluia. Et nous confirmons cela, nous prions que le Seigneur vraiment fasse de grandes choses dans sa vie. Bien-aimé Paul, vous mourrez avec Christ et vous ressuscitez avec lui. Nous vous baptisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, quand je te vois, à présent, Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, de le remplir de ton esprit, Seigneur Jésus. Tiens, remplis-le de ton esprit. Tiens, remplis-le de ton esprit. 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 Remplis-le de ton esprit.
après le baptême, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti après ce moment de baptême? C'est un peu comme si j'ai senti un vide en moi. Alléluia! Chaise! 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 De tout ce qui pesait sur sa vie. Et maintenant, le Seigneur a guidé pour le remplir de son esprit. Alléluia! La grâce est là. Alléluia! Le fruit du Saint-Esprit. Alléluia! Jésus! Alléluia! Nous bénissons le Seigneur pour nos soeurs. Après le nouveau débat. Aujourd'hui, le Seigneur va te donner un nouveau vie. Et tu vas marcher à un nouveau type de vie. Alléluia. Quelles sont tes motivations qui te poussent à être baptisé aujourd'hui? Quelles sont tes motivations qui te poussent à être baptisé? La sœur dit, lorsqu'elle a été délivrée aujourd'hui, elle a senti une grande joie. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Avant, elle a dit, il y avait une longue corde, une corde qui te tenait son pied. Mais après la délivrance, elle n'a plus jamais senti cette corde. Elle n'a plus jamais senti cette corde la tenir. La corde là, c'est la corde du péché. C'est la corde de l'esclavage. La corde du diable, des esprits méchants. Mais après avoir été délivré, cette corde a été rompue par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, et bien, nous gardons ce on voulait vous engager au baptême au nom de Jésus. Donc nous allons, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse dans votre vie? Voilà, vous êtes venu pour voir ce baptême. Ce baptême. Voilà. Donc, bien, elle a dit, elle ne veut plus faire les œuvres du péché du vieil homme qu'elle faisait dans le passé. Mais elle veut aujourd'hui marcher en nouveauté de vie. Gloire à Jésus, nous allons prier pour elle. Nous allons prier pour le bien-aimé. Pour que le Seigneur la dépouille de sa vie passée. Et lorsque elle sera plongée dans l'autre, son nom soit écrit dans la vie de vie et qu'elle marche à nouveau tout le monde. Prions au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Après que le Seigneur Jésus allez ici. Alléluia. La sœur veut que, après ce baptême, tout ce qui peut constituer obstacle pour entrer au ciel, que le Seigneur Jésus. Alléluia. La prière veut aussi que servir le Seigneur avec son mari et ses enfants. Elle veut marcher avec Jésus. Écris selon dans le bonheur. Écris selon dans le bonheur. D'accord, va changer. Que le péché disparaisse. Que le fardeau de péché disparaisse. Que les esprits méchants disparaissent. Tout ce qui est au nom de à son entrée au ciel, soit déplacé. Quelle fois la montagne se déplace, quelle fois la montagne se déplace, se déplace, se déplace, se déplace, se déplace, se déplace. J'ai aussi reçu. J'ai reçu Lydie, elle aussi, lui aussi a reçu Lydie. J'ai reçu midi, mais le Seigneur de Grosse a demandé aux deux quel est le nom qu'ils ont reçu. Son mari. Et le pasteur, son mari et ses enfants. L'apôtre David a dit qu'il n'a rien reçu. Mais le pasteur dit qu'il a reçu midi. Ah, c'est midi, moi j'avais reçu. Ça montre que le signe d'esprit est en action. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est une femme joyeuse. Quand tu lui attends. 15 à 16, Lydie était une femme qui était joyeuse, qui a créé les saintes Dieu, qui louait Dieu sans cesse. Donc aujourd'hui, le Seigneur est avec toi, une femme joyeuse, comme le dit dans la Bible, qui a créé les saintes Dieu et qui louait Dieu partout. Quand vous allez la prier, nous allons jouer. C'est comme ça. La crise, c'est lui. Donnez bien ça. Lydie, nous déclarons que tu es mort avec Jésus, tu reçois avec Jésus, nous te baptisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Rappelez-vous,
Elle a encore senti une. Alléluia! Elle a encore senti une nouvelle dose de joie. Donc la soeur lui a dit, lorsque elle était délivrée, elle avait senti la joie. Mais maintenant, elle a encore senti une nouvelle dose de joie. Et en même temps, le nom de Jésus est entré dans sa bouche. Et lorsque nous l'avons plongé au nom de Jésus, elle a commencé par dire Jésus. Ce qui montre vraiment, l'esprit a rendu témoignage à son esprit qu'elle est devenue enfant de Dieu. Et elle reconnaît aujourd'hui que Jésus-Christ est son Dieu. Et elle marche avec Jésus dans la vie. Nous avons plongé, nous avons baptisé. Qu'est-ce qu'elle a reçu en elle-même? Elle répond qu'elle a reçu une nouvelle, une nouveauté. Et on lui demande, c'est quoi la nouveauté? Elle dit qu'elle a ressenti la paix en elle. La paix de cet esprit. La Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Lorsque nous avons réverti la sœur de l'épée de l'esprit et que nous avons fini par prier, nous avons réverti des armes. Le bouclier, la cuirasse, la ceinture, la chaussure, toutes les âmes de Dieu. À la fin, quand on priait, on voyait qu'elle était vraiment emportée par la puissance de Dieu. Et on lui a demandé, ma soeur, qu'est-ce que tu as senti lorsque vous êtes en train de prier? Et elle a dit, elle a vu une paix. Elle a vu une seule épée entrer dans sa main. Et en même temps, elle a commencé par bouger. Elle a reçu une épée de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus.
aussi. Va manipuler ce qui peut pour libérer gloire à Jésus. Comment la notion est là. Comment nous vous accueillons avec la joie de Jésus dans les jours du baptême. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, après ce baptême, qu'est-ce que vous voulez que le Jésus fasse dans votre vie? Citez seulement, c'est votre jour. Je veux que Jésus touche mon cœur de mon mari. Il accepte Dieu comme son Seigneur sauveur. Il touche mon enfant, Shalom, à bien s'exprimer. Et moi-même aussi, il change ma vie. Alléluia. Donc nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur d'accomplir les vœux, les désirs de sa servante. Elle veut d'abord que le Seigneur touche le cœur de son mari pour la ramener dans la vérité. Que le Seigneur Jésus touche la vie de son enfant qui n'aurait pas à bien s'exprimer. Et aussi que le Seigneur opère une véritable transformation dans sa vie. Et le vous l'avez prié au nom de Jésus. Eliane. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur Jésus. Que tu touches, Seigneur Jésus. Après ce moment de baptême, que tu touches le cœur de son mari. Que tu touches le cœur de son mari. Son cœur est dur. Que tu touches ce cœur. Pour la ramener ce cœur à ton obéissance. À ton obéissance. C'est le plus grand. Que tu touches son cœur. Que tu touches son mari. Que tu touches son cœur. J'ai vu également son enfant. Son enfant, Jésus. Pour qui Pour guérir son enfant. Ambassadeur de Jésus. Alléluia. Ambassadeur de Jésus dans le sens où vous allez parler de Jésus aux païens. Alléluia. Vous allez parler de la bonne nouvelle aux païens, avec tous les païens, plus connaître qui est Jésus et se convertir. Donc, Priscille, faites comme ça. Les deux pouces. Priscille, nous déclarons que tu meurs avec Jésus, tu ressuscites avec Jésus, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te prions maintenant, Jésus, que la remplisse, Mettons frère,
Saint-Esprit, nous te laissons faire ce travail. Alléluia. Nous te laissons faire ce travail. Alléluia. Tu as trouvé un travail dans sa vie. Amen. Maintenant, manifeste-toi dans sa vie. Amen. Manifeste-toi dans sa vie. Amen. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu lui rends témoignage. Oui. Tu rends témoignage à son esprit. Elle est devenue enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, rends témoignage à son esprit. Seigneur, rends témoignage à son esprit. Saint-Esprit, rends témoignage à son esprit. Rends témoignage à son esprit. Saint-Esprit, rends témoignage à son esprit. Au nom de Jésus. Afin de la remplir. Dépôle la ta foi. Dépôle la tête. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur, il travaille de plusieurs manières. Oui. Le Seigneur l'a rempli autrement. Alléluia. Ses pensées sont au-delà. De nos pensées. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et il est en train de faire une grande œuvre. Alléluia. Le Seigneur n'a pas fini encore. Le Seigneur n'a pas encore fini. Nous portons maintenant le casque du salut. Le casque du salut dans le nom de Jésus. Afin que toute mauvaise pensée que l'ennemi va envoyer soit toujours dissipée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous portons maintenant la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Tu reçois maintenant la cuirasse de justice. Tu reçois la cuirasse de Jésus. Tu reçois maintenant la cuirasse de justice au nom de Jésus. Afin d'être toujours juste dans tout ce que tu vas entreprendre. Maintenant, je sais à terre maintenant la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Tu reçois maintenant la ceinture de la vérité. Afin d'être toujours véridique dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre au nom de Jésus. Tu reçois maintenant les bottes de l'évangile. Le zèle de l'évangile maintenant à tes pieds. Le zèle maintenant de l'évangile à tes pieds. Tu reçois un feu dans tes pieds. Tu reçois un feu dans tes pieds. Reçois le feu maintenant au nom de Jésus. Le bouclier de la foi. Tu saisis puissamment. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Tu saisis maintenant le bouclier de la foi maintenant. Tu saisis maintenant dans le nom de Jésus. Afin de renverser toutes les flammes, les traits enflammés de l'ennemi au nom de Jésus. Tu saisis maintenant l'épée. Quelle est la parole de Dieu. L'épée flamboyante. Saisis, maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je devais porter maintenant le manteau. Le manteau de la sainteté. 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 Le Seigneur dit qu'elle a un temps d'intercesseuse. On va prier pour qu'elle reçoive le manteau de prière. Elle nous sent de prière. Le manteau de prière. Reçois au nom de Jésus. Nous scellons cela. Par le feu dévorant. Tu reçois maintenant ta vie de consécration. La vie de mise à part. Reçois au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le temps de guérison. Que le temps de guérison maintenant s'active au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Le manteau de la fermeté. Alléluia. Le manteau de la fermeté. Tu vas te garder toujours inébranlable dans la foi. Tu reçois maintenant la fermeté. Reçois la fermeté. Au nom puissant de Jésus. Elle veut chanter pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia.